Bonjour. Aujourd'hui, mercredi dans l'octave de Pâques, je vais vous parler de la monnaie. Pour les économistes dits classiques qui vous manipulent tous le cerveau, la monnaie n'est qu'un voile. Pour moi, pour ce qui est de la vérité économique, la monnaie est beaucoup plus qu'un voile. Et en ces temps très durs de pandémie, qui nous font penser à l'apocalypse, le mot apocalypse signifie dévoiler, lever le voile. Et je pense que le voile principal qu'il faut lever, c'est justement ce voile de la soi-disant monnaie qui nous cache la vérité des choses. Si vous soulevez ce voile, qui est en fait un écran, et le mot est très à la mode, on est tous devant des écrans, mais l'écran principal qui vous hypnotise, c'est ce voile de la monnaie. En le soulevant, nous arrivons à voir que la vérité des choses est que tout est surabondant sur cette terre, que le message chrétien est vrai, que le Christ, il y a 2000 ans, nous l'a déjà dit, qu'il suffit de partager, et je dirais même maintenant, il suffit de distribuer. La surabondance est telle que ce n'est plus un gâteau qu'il faut partager et qui est un gâteau limité, mais c'est un gâteau qui est en gigantesque surabondance et qu'il faut voir ces surabondances comme ce lac Léman devant lequel nous sommes. C'est un lac Léman plein d'eau potable qui vient de nos montagnes, qui est tombé du ciel. La pluie et la neige sont tombées du ciel gratuitement. Et certaines grandes industries qui sont, dont le quartier général est au bord du même lac Léman, nous ont persuadés, vous ont persuadé quasiment le monde entier d'acheter très cher cette ressource, l'eau potable, qui est en fait donnée gratuitement par la nature, par le Créateur. Donc la monnaie ne doit surtout pas être ce voile. Et ce voile, en fait, c'est le veau d'or, c'est une idole. Arrêtez d'idolâtrer la monnaie, l'argent, le flous, le fric, l'oseille. La monnaie ne devrait être qu'une information. Et une démonstration historique est donnée notamment par les bâtons de comptage en Angleterre ou dans l'Europe entière. En Angleterre, ça s'appelle les tally sticks. Chez nous, c'est les bâtons de comptage qui, encore tout récemment, étaient encore reconnus dans le code napoléonien, qui était dans le droit français, il y a 3 ou 4 ans, c'était encore reconnu. C'est reconnu par la jurisprudence. Et c'est un simple moyen de fiabiliser les échanges économiques. Le bâton de comptage, vous pouvez chercher ça sur Internet. Il y a Martouf, Mathieu Despons, qui a fait une très belle vidéo qui explique le bâton de comptage. Vous trouverez le lien sous la vidéo. C'était de simples bâtons en noisetier, coupés par la moitié, infalsifiable car les veines du bois sont infalsifiables, et la monnaie, c'était des encoches dans ces deux bouts de bois collés l'un à l'autre. Le créancier tenait la main, hein, le chèque, la souche, et le débiteur tenait le petit bout qui était découpé dans cette souche de noisetier. Et ça correspondait à la monnaie pendant des siècles en Angleterre, depuis les années 800, même peut-être même avant, parce qu'on a trouvé des systèmes analogues même chez les hommes des cavernes, sur les bois des cerfs, des animaux à cornes. Donc en Angleterre notamment, on disait « Merry England », heureuse Angleterre, tout le monde était roi dans sa ferme, tout le monde était heureux en Angleterre depuis l'an 800 jusqu'à 1846. Et les banquiers ont réussi à convaincre les Anglais que les chèques en bois n'avaient aucune valeur, que les bouts de bois n'avaient aucune valeur. Ils ont persuadé de manière frauduleuse que c'était l'or qui était la base de l'économie. Ils ont fait brûler tous les tally sticks, tous les bâtons de comptage qui servaient même de payer les impôts, qui servaient de dot pour les jeunes couples qui se mariaient, qui servaient à tous les échanges dans l'Angleterre. Vous pouvez chercher ça dans les livres d'histoire. Et le feu qu'ils ont mis, les banquiers, de tous ces bâtons de comptage qui étaient stockés près du Parlement anglais à titre de preuve juridique pour les impôts notamment, le feu était tellement grand que ça a mis le feu au Parlement anglais qui a complètement brûlé. Et ça a fait un grand incendie dans Londres. Vous pouvez regarder dans les livres d'histoire, c'est impressionnant. Il y a des peintures, des tableaux. Et actuellement, la pandémie
pourrait être cette occasion de retourner un système de simple information monétaire avec les blockchains, donc les nouveaux outils informatiques, ou même de revenir à des bâtons comptants en bois. Ça a marché pendant des siècles, pourquoi pas maintenant, dans les communautés locales. Vous prenez du noisetier, c'est tout simple. Vous coupez le noisetier, un bout de noisetier, un petit tronc de noisetier par la moitié, c'est infalsifiable. Et vous faites des systèmes d'argent local, de monnaie locale, sans aucun coût. Ils ne peuvent pas vous dire que c'est des billets de banque, vous ne violez aucune loi. Au contraire, vous êtes protégé par la jurisprudence pendant des siècles, le droit napoléonien, le common law anglais, le droit américain common law. Dans le monde entier, vous pouvez revenir à des bâtons de comptage ou des systèmes analogues. Nous, dans les Alpes suisses, on avait le même système pour les vaches, pour les fromages, pour les récoltes, pour les droits d'eau qui sont très précieux dans certaines vallées alpestres désertiques. Donc ça a marché pendant des siècles. Le, croyez-moi, le pire, c'est d'idolâtrer l'argent. C'est ce qu'est le cas actuellement. On idolâtre la monnaie. Vous êtes tous des esclaves des banquiers parce que tous, nous idolâtrons l'argent. Il faut arrêter d'idolâtrer la monnaie. La monnaie ne doit être qu'un outil. Et par exemple, la création monétaire en Suisse, si on reprend le contrôle de la création monétaire en Suisse par les banques cantonales, les cantons qui ont donné cette régale monétaire à la Banque nationale suisse, nous devrions avoir le fruit de cette création monétaire, en tout cas au moins les deux tiers, c'est l'article 99 de la Constitution actuelle suisse, eh bien, nous ne recevons pas cette régale monétaire. Cette régale monétaire, littéralement, nous tombe du ciel comme la pluie, le soleil, l'air. C'est un cadeau de la création, c'est un cadeau du Créateur. Mais ce cadeau est squatté et volé par des prédateurs qui nous volent notre création monétaire. Nous devrions la recevoir. C'est près de 800 milliards de francs suisses qui doivent être répartis en tous les citoyens suisses. L'ordre de grandeur, on devrait recevoir chaque habitant de la Suisse, y compris les bébés, dès leur conception. Nous devrions recevoir tous 100 000 francs suisses cash comme versement et faire une coopérative citoyenne intégrale en reprenant tous les instruments juridiques qui ont fait la fortune de la Suisse. On maintient tout la même chose, simplement les bénéfices viennent comme dans la Migros à tous les coopérateurs. Nous avons tous automatiquement un compte gratuit dans la coopérative citoyenne intégrale Banque Nationale Suisse. Nous avons tous des dividendes qui nous viennent à tous. Ce n'est que justice, même sans travailler, ce n'est que justice. Et ne vous en faites pas, les Suisses sont tellement travailleurs. Ceux qui travaillent recevront en plus du dividende mensuel, ce qu'on peut appeler aussi revenu de base inconditionnel. Ils recevront en plus le fruit de leur travail. Ce qui fait que la richesse suisse sera partagée, distribuée entre tous les habitants de ce beau pays. Regardez autour de vous, nous vivons un pays merveilleux, alors que c'est un des plus pauvres du monde. Mais nous sommes le pays sans ressources, le plus pauvre du monde, mais nous sommes paradoxalement le pays le plus riche du monde. Nous avons 100 000 francs à notre nom en francs suisses, car c'est nous les Suisses qui garantissons la monnaie suisse. Levez le voile, demandez votre dû, ça vous est dû. Si vous ne voulez pas, ben donnez-le à quelqu'un d'autre. Moi, je m'en occuperai. Ne demandez pas ces 6 000 francs que vous méritez d'avoir. Si vous voulez, vraiment vous voulez être bête, ben laissez-les là à disposition. Mais ou bien signez-moi une lettre comme quoi vous me permettez de vous défendre et de récupérer ces 100 000 francs qui seront consacrés pour le bien commun. Merci de votre écoute.